Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau jeu The Guild 3. Je vous en ai parlé que j'allais faire un let's play dessus et il vient juste de sortir à 19h je crois, oui 19h aujourd'hui. Donc ce soir là j'ai essayé de faire la vidéo vite fait. Donc c'est The Guild 3, donc j'ai fait un petit let's play sur The Guild 2 et là on va enchaîner sur un let's play sur The Guild 3 là qui va durer plusieurs mois. Donc comme je vous ai dit, il est en early access, il est à 22€ je crois ou 23€ sur Steam. Voilà, donc j'attendais vraiment ce jeu depuis pas longtemps. Pour l'instant le jeu est qu'en anglais et en allemand. Et au fil du temps, là, de la Early Access, normalement, il devrait rajouter d'autres langues, français, espagnol, etc. Donc j'espère qu'il va autant vous plaire, et surtout qu'il va me plaire, parce que je viens juste de le lancer, en fait. J'espère surtout qu'il va me plaire. En tout cas, les graphismes sont beaucoup mieux faits que dans l'autre, que dans le 2, heureusement, parce que ça fait un peu de 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la cité de Madenburg, d'accord, donc on s'en fout. On a Osbourg, et on a The Meat City of London. Moi, je me sens bien de faire un petit voyage à Londres. Alors niveau difficulté, on a normal. Par contre le truc, ouais. Les graphismes sont bien, mais l'interface est pour l'instant pas terrible. Porphylo, carrière fille, machin. Alors, on va faire Porphylo, game mode. Je crois que c'est peut-être un truc bac à sable, il me semble. Donc on va y aller. Ok, déjà le personnage beaucoup mieux fait. On peut zoomer, hop. Donc on peut, qu'est-ce qu'on peut choisir? On peut choisir les armoiries. Alors qu'est-ce que je vais prendre? On est en Angleterre, donc ça fait un peu ottoman. Ouais, ça fait un peu trop allemand. Une noisette, non. Ça se fait danois. Un bateau. Ok, pas mal quand même de trucs. Il y a un bouc. Un calice. Grippin, tête de mort. Une rose. Tiens, prends pas une rose. Et on va prendre notre vieil ami. Gilbert. Sir Gilbert Talbot. Hop. C'est une bête. Bon, on va pas prendre une femme, hein, parce que j'ai bien pour une femme, c'est un peu bizarre. Oh. Bon, je peux choisir la voix. Il y en a combien? En tant que d'elle. I hear they're renovating the church. Maybe you should go over and talk to the stonemasons. I'm sure they'll let you know you convince the guard that I'll be voting for you in the upcoming election. Family campagne. Alors, free games, City Smell of Freedom, Font of Power Dynasty, Long Distance Rider. Ah, il y a pas mal de trucs, hein. Donc nous, on va mettre free game, pour l'instant. Ability, Handicraft. Alors, on a Herbaliste, Rogue. D'accord, mais le seul truc, c'est que... Est-ce que j'ai pas choisi... Food Préparation, Handicraft. Donc... Oh, ok, Handicraft. Ok. Food Préparation, donc je peux faire du Podridge. Je pense. Là, étant que serre, là je peux faire des armes. Ouais, comme dans l'ancien quoi. Ça c'est pour être soigneur. Et oh putain, on peut faire de la lutte et tout. La lutte, du lutte quoi plutôt. Pas de la lutte. Moi je vais prendre ça. Par contre, j'aurais préféré perso. Alors c'est quoi? Ça rock, c'est quoi? C'est voyou? Moi j'aurais préféré faire un voyou. On va essayer rogue. Je sais pas trop c'est quoi. Par contre, les trucs ils ont. Y a pas grand chose en tout cas en... Comment ça s'appelle en skill comparé à avant. On va voir. Ah, après qu'est-ce qu'on a d'autre? Character size. Un petit, un gros, un très gros, un meilleur. Voilà, ça c'est le boulanger ça. Moi je suis rogue. Moi je suis pas boulanger. Oh, un mec avec la barbe comme ça, ça me ressemble ça. Un habit. Oh, j'aime bien les habits. C'est mieux fait. Je suis un cerf, je suis un manon. Ah non, là je suis un manon, pardon. Oui, alors là c'est plus que manon là. Là aussi. Oh. Je mets cette tenue. Ça fait écuyer. C'est pas mal aussi le look écuyer. Mais je préfère celui-là. C'est un peu homme sauvage. Homme des bois. Ah bah je veux dire la couleur. Ça fait un peu prince aussi. Avec la fourrure, comme ça. Alors notre armoirie est rouge, rouge et blanc. Alors soit en rouge, soit en blanc. Ça c'est gris, ça c'est vert, ça c'est rouge. On va prendre rouge. Rouge, rouge. Air color, on va prendre comme mes cheveux. Noir corbeau. Voilà, et on est parti. En tout cas, si les graphismes sont comme ça, pff, chapeau. Encore c'est qu'une early access, donc je pense que le jeu va un peu ramer. Ils ont dit qu'il y avait dû avoir des petits bugs. Je regardais un peu le développeur. Et qu'il allait y avoir sûrement quelques gros bugs aujourd'hui qui seront réglés dans la semaine quoi. Dans la fin de la semaine.
pour être détecté. Donc on va voir ça. Je vais faire plusieurs vidéos dessus. J'ai même un let's play si ça vous plaît vraiment. Je continuerai aussi bien sûr le let's play sur Real Politique, hein, parce que j'ai vu vraiment que le jeu vous plaisait, et à moi aussi, il me plaît énormément. Donc on va continuer les vidéos dessus. Et ensuite, à la fin de la semaine, il y a Total War Warhammer 2 qui va sortir. Et du coup, on aura un troisième let's play dessus. D'ailleurs, je pense que je vais vous laisser choisir. Là, la prochaine vidéo là, sur Real Politique, je vous demanderai de voter pour savoir quelle faction vous voulez qu'on prenne dans le jeu Total War Warhammer. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Moi, il y avait les Skaven. D'après la vidéo du joueur du Grenier, il y a les Skaven, les Hauts Elfes, les Elfes Noirs et les Reptiles. Je me rappelle plus c'est quoi leur nom. Bon, j'allais dire le temps de chargement, il met 800 ans. Ok, donc là, ils nous mettent une sorte de petit machin. Oh putain, là, vous êtes inexpérimenté. On est pauvre. On est inexpérimenté. On arrive devant a few days ago. Putain, là, on est en dehors de la ville, d'accord. Ah, il est dans un faux bourg de la ville. Oh là là, ça a l'air de claquer sa race. Ok, ça, j'ai compris. Est-ce que je peux passer pour le dessus, s'il te plaît? Peut-être bien, tu me parles pas en plus. Donc, c'est bon, quoi. Bah, c'est nickel. Alors, un, tu sends ton avatar, tu aurais résidence. Ah, ok, en plus, il y a des raccourcis maintenant. Si, pour sélectionner l'avatar. Un, send to market. Ok, la commotion, je peux directement appuyer là, ça, j'ai compris. Hein. Ok, donc là, j'ai deux dagues. Je sais pas quoi ça sert, mais j'ai deux dagues. Ah, putain, par contre, les menus sont... Je peux l'envoyer au marché, je peux l'envoyer à urgent, social activity. Ah, ok, on peut commenter... Ok, donc ça, ça revient même. On peut changer ses vêtements aussi. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, skillbook. Alors moi, j'ai pas pris ça à la base. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a serf, commoner, yeoman, resident, citizen, free citizen, patricien. Oh, putain, tout ce qu'il y a. Nobleman, squire, lord, baron, comte, marquis, duc, archiduc. Ich, ok. Ok, mon frère. Proche partie, je suis parti où? Ok, donc là on n'a pas de quête, on n'a pas de journal. Donc ça c'est notre arbre dynastique. Ok, politique book. Oh punaise, pardon, j'avais insulté encore un truc. Il y a plein de trucs. Donc il y a les gardes-guardes, donc vous pouvez être garde de la porte. Oh là 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 là, tout ce qu'il y a comme truc politique. Ouf, ouf. Et lui c'est quoi, c'est le grand maître? Oh là là là, en politique on va s'éclater je sens. Puis moi j'adore là, dans le jeu la politique. Alors je suis un commoner, single, alors qu'est-ce que je peux construire? Combien j'ai d'argent déjà? Où est-ce que c'est l'argent? Donc, je suis en 1400, alors attendez je vais mettre pause. Attends de route de... J'ai 300? Je vais aller où? Je vais faire quoi avec 300? Ah je peux acheter une ferme, oh, ok donc c'est vraiment pas cher dans le jeu. Donc je peux acheter une ferme house. Je sais pas pourquoi je peux en acheter autant. C'est quoi la différence entre tout ça? Je sais pas. Over. Warehouse. Business. Ouf, c'est quoi tout ça? C'est quoi? Building for sale. Residence. Ah ok, on choisit comme ça. Ouf, ok. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais moi je vais faire construire un truc, je peux pas. Qu'est-ce que j'ai là? C'est quoi ça? Donc ça c'est ma maison, d'accord? On est d'accord. Donc ça c'est encore une maison. Ça c'est encore une maison. Ça c'est une boucherie. Ok, il y a des boucheries maintenant. Mais moi je sais même pas qu'est-ce que je peux faire comme travail en fait. Je sais même pas où je suis. D'ailleurs. Ah, je suis à l'intérieur de la maison, je peux voir un peu à l'intérieur. Je peux y rentrer. Look inside the residence. On va faire tirer. Et par contre on leur dit, oh, je sais pas pourquoi il chauffe là. Le jeu doit consommer sa mère. À l'intérieur là ou c'est un chargement? Donc ça c'est à l'intérieur de la maison. Ok, ok, donc ça c'est à l'intérieur de la maison. Très bien, très bien. Par contre j'ai toujours pas compris comment je fais open building menu. Oui mais comment? Ah attendez, c'est pas ça. Building activate activity.
Merde, ah, je peux l'acheter, ok, donc c'est quoi? Ramshackle, c'est ça quoi? C'est une maison? Ok, donc ça c'est une maison. La boucherie, je peux l'acheter, ça c'est quoi? Gun and Rose, Farmhouse. D'accord, Marketplace. Farmhouse. Là ça doit être les murs de Londres, je présume. Ouf, faites voir un peu la ville. Oh, elle est vraiment pas mal faite. Oh, c'est immense. On peut voir la carte. Oh la vache. C'est hyper bien. Ah, on peut faire des routes commerciales et tout en plus. Bah 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 bah. Ça va être, je pense, vraiment cool. Ok, ça c'est quoi? On va essayer de rester près de chez nous, quoi. C'est quoi ça? Mansion. Donc ça c'est une maison. Ça je peux pas l'acheter, je présume. Non, ça appartient déjà à quelqu'un d'autre. L'église Saint-Nicolas. Une maison. Mais les maisons, ça me sert à rien, quoi. J'en ai déjà une. Bon, c'est un peu pourri, mais bon, j'en ai déjà une. Alors comment je fais pour aller travailler? Single. London. Climford single. Ouais, d'accord. Et... Par contre, tu peux rien construire. Je peux acheter une farmhouse. Farmhouse. Alors il faut que je commence avec une ferme. Ouais, mais j'ai déjà une farmhouse. Alors, produit en action. D'accord. Add-on. Fire protection. Par contre, ça, c'est pas terrible encore. Privacy protection. Storage space. Storage slot. Statistique. Non. Ok, donc je galère un peu pour l'instant là. Bon, c'est la découverte. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Une load. Donc ça, j'ai une dague. Si je la mets là, donc, je suis équipé d'une dague. Home, sticky, home, London, je mets le fond. Ah, mais à moins que je sois vraiment un voyou alors. Alors, attendez. Que je clique sur mon gars. Si. Je peux draguer, d'accord, je peux changer de coiffe de vêtements, mais je peux pas faire grand chose d'autre. Si je vais là, alors je vais mettre play. On va mettre un peu plus vite pour savoir un peu ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que c'est ça? Dynasty Member, Building, Building. Natural Resources, Public Building, Long Distance Trade Road. Ok. Bon, ça c'est zoomé, merci. Ça c'est Home Building. Ok. Alors moi je suis où maintenant? Ouais, ça qui est dommage, c'est qu'on suit pas notre personnage. Tu es là? Alors, attendez, ça c'est quoi? Send home pour envoyer la maison, ok. Ah ok, d'accord, c'est là. Alors je peux faire une embûche, je peux faire une jonglerie, je peux faire une scout road, je peux faire une jonglerie, tiens. On va faire ça sur le marché, quoi, s'il y a des gens. Si c'est possible. Potatoes? Ouais, ouais, what are potatoes? Ok, alors on va voir un peu ça. I'd like to know as I'm very hungry. Si on gagne un peu d'argent. Ok, donc je suis vraiment un bouffon en fait. Je fais des jongles. D'accord. Alors il faudrait que je trouve des gens. Donc lui je peux faire quoi? Je peux le voler? Non, attendez, je prends mon personnage. Nothing but work. On va voir ce que je peux faire. Je peux rien faire, ok. Nothing but work. Because of her. Ok. Si tu veux frère, si tu veux. Alors je fais ça. Je peux faire une embûche. Alors à quoi ça consiste une embûche? Si je le détrousse en fait. Il me sert rien. That won't take long. Alors qu'est-ce que ça fait? Ah ok, complètement, je tends une embuscade, ok. Scout Road. Donc ça je fais le guet. Yes. Qu'est-ce que j'y gagne? Ah mais j'ai gagné 20 quand même. Ça va. Est-ce que je pourrais pas aller en ville s'il y a plus de monde? Le marché? Bon, pour l'instant il y a des gars dans le jeu. Ah si, il y a un peu de monde là. Ça c'est quoi? C'est la cathédrale? Ah ouais, une cathédrale d'accord. Ah mais il y a combien de marchés? Donc la vie, c'est good. Par contre ça je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais pas trop c'est qui lui. Ah c'est un garde. Hunter cherche, non. Ça, ça m'a rapporté de l'argent, non, ça va pas rapporter de l'argent, d'accord.
Par contre, junglerie, ça va une peu saouler, je crois. Je pensais pas faire ça à la base. Naturally. Parce que ça va rapporter un peu d'argent. Ça, je comprends toujours pas à quoi ça sert. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ok. Ok, ok. Donc là, je fais des friteries. Je gagne pour l'instant un peu de pognon, je crois. Je crois qu'on s'en va. Donc ça, je m'en fous. Building. Ok. Transport. Eh, peut-être que ça va remporter. Attends, on va mettre un peu plus vite. Bon, regardez, je suis à 320. Lui, je sais pas trop qu'est-ce qu'il veut. 338, donc je gagne 18. Lui, est-ce que je peux lui faire une embouche? On va essayer de le faire là. Eh, vas-y, t'avances. Non, ça va ça. Ah, c'est peut-être pour attaquer les charrettes en fait. Attendez, est-ce qu'il y a des charrettes quelque... Oh, il y a des bateaux. Ça, c'est bon ça. Ça, c'est pas mal. Ah, attendez, est-ce que je peux monter mon personnage? Là, je suis en mode embûche. Oh, ah, on peut se mettre dans la... Non, ça, c'est bon ça. Ça, c'est pas mal. Non, je sais pas comment faire pour gérer. Attendez. Stop, 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 frère. Oh là là, stop, 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 frère. Resume game. Hop, 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 on enlève. Non, non, on enlève. Bon, ok, du coup, on peut se mettre dans la peau de son personnage. Donc ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il y a? Non, là, je suis plus du tout, je suis. Je suis trop tourné. Tac, 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 tac. Londres, c'est par là. Moi, mon personnage. Si j'appuie dessus, je peux pas y aller. Not now please. Ok, j'ai juste appuyé sur toi. Je sais même pas où t'es. Ah, attendez, il m'a dit serre. C'est non. Stop clicking me. Ah, ok, il y en a marre quand tu cliques dessus. Mais ce truc, c'est que je suis pas outil, frère. Donc ça va être un peu galère. Si je fais ça, que je le vois. Je suis là. Ok. Pop, 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 pam. Donc l'embuscade, ça sert que dalle. Stop clicking me. TGR. Scout Rod, en plus ils vous disent pas ça quoi. Ah si. Quand Scott se rend une puff, une boost de plus plus. Ok, donc c'est pour savoir. Donc ça, il faut se mettre sur la bord d'une route. Pour attaquer, pour faire une attaque surprise. Ultimate take to your camp. Ok. Et donc ça, c'est pour faire des jongleries. Ok, ben on va continuer à faire les jongleries du coup. Hein. Yes. En plus là, il y a des clients. On s'en va à l'église, je sais pas qu'ils font. Arrêtez-vous. Vous allez où? Arrêtez-vous, j'ai une super jambe. Mais revenez, revenez. Voilà. Oh, 29, c'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Donc j'ai 367, une farmhouse. Donc ça c'est home farmhouse. D'accord, donc il y a déjà ça. Là il me faut une house. Ok, over, qu'est-ce qu'on a? On a une warehouse. Donc ça coûte 1500 par contre, on va se coûter. Ça c'est quoi? Ah bon, ben voilà, c'est là. Putain, je pouvais toujours chercher quoi. Ça c'est quoi? Ça je peux pas, ok. Ça c'est quoi? Carpenter shop, ça je peux pas. Mais ça c'est pareil. D'accord, ok. Donc Carpenter Shop 500, Moving Mill 750, 200 pour faire une herbe. Une herbe house, pardon. 200, Smuggle Hall. Oh, c'est quoi ça? 15. Ah, je vais pas l'acheter. Ah, j'en ai déjà, ok. Public House, bon, ça coûte cher, oh, taverne, Mercenary Carter, Scriptorium, ah, il y a vraiment pas de choses, pas mal de choses, pardon. Il y a Pest House, Bake Shop, Bake Shop, c'est quoi un vendeur de vin? Pastry Shop, Chris Craftman, Herb Hut,
fonderie. Ouais, il y a vraiment pas mal de trucs. Briqueterie, ça, ça a été déjà. Boucherie, donc boucher. Robber camp. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Un camp de voleur. C'est pas mal. Pourquoi tu peux pas le payer? J'ai 200. Ah oui, j'ai dit que il me manquait un truc. Mais comment on fait pour avoir un deuxième... deuxième maison? Est-ce que je peux aller à l'église, déjà? Attendez, parce qu'ils vont tous à l'église, là. Bon. Ah non, c'est moi qui fais sonner l'église. Où est-ce qu'ils vont tous, là? Ah, ok. Je crois que je me retrouve aussi loin, là. Bon, tiens, vraiment, il y a des bugs, là. Chaque fois que je me perds, j'ai rien touché, je me suis retrouvé à perpète. Là, ils m'ont envoyé où? Bon. Ah, ils m'ont envoyé même pas, en plus, là. Ok. Ok, mon ami. Ah, bon, voilà. Ouais, bah, voilà. Building Utility. Je peux l'acheter. Je peux l'acheter. Non, il n'y a pas de pop-up. Ok. Pas de pop-up. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire en fait. Tiens. Ok. Ça me sert pas à grand chose. Alors on m'a dit d'envoyer le gars en appuyant sur 1. Donc je vais l'envoyer chez lui. Je lui propose là. Ok, donc je peux juste te faire. Qu'est-ce que je peux te faire? Return home, inload. Ok, donc worker, je peux absolument rien faire, je peux pas faire de produit ni de truc. Ok, donc je peux juste faire le bouffon. Donc je crois qu'après on changera. La prochaine vidéo, je ferai un nouveau personnage, bon, il sera pareil, il sera le même nom. Mais un truc bien quoi. Parce que là pour l'instant, à pas faire des jongles et des conneries comme ça, pas grand chose. Donc voilà, première vidéo sur le jeu. J'espère que vous a plu. Bon, excusez-moi parce que c'est vraiment le début de la vidéo, je découvre avec vous le jeu. Donc ça a été un peu la galère. Mais vous inquiétez pas, pour la prochaine vidéo, je comprends comment je connaîtrai les bases du jeu, je vous montrerai un peu plus en détail le jeu. Voilà, donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à me dire dans les commentaires si, si vous voulez acheter le jeu, si ça vous plaît, etc. Ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, et allez, je vous dis ciao.